Bon, merci beaucoup Frédéric. Et surtout aux uns et aux autres de votre patience. Mais avec Philippe, nous étions en train de remarier un couple qui fêtait ses 50 ans de mariage. Et un couple qui donne beaucoup pour la cité, le 15e arrondissement en particulier, donc il fallait qu'on soit là. Je pense que Hugues, tu as parlé tout à l'heure de la partie terrorisme. Je voulais vous dire un mot du dispositif qui est mis en place par le gouvernement. Vous le savez, c'est Sentinelle, et puis dans une moindre mesure, Cuirasse. Sentinelle, c'est le dispositif qui permet effectivement de protéger un certain nombre de sites sensibles, en complément, bien sûr, des forces de sécurité, et qui est donc basé sur une mobilisation d'environ aujourd'hui 7000 militaires. Alors, moi, je le dis franchement, ce qui a été mis en place au mois de janvier a été très bien fait, en particulier par la mobilisation de nos forces armées, en particulier l'armée de terre, qui a été capable de mobiliser 10 000 soldats en un peu moins d'une semaine. C'est une prouesse, il faut le reconnaître. Notre armée a su, dans ce domaine, faire preuve de son efficacité, comme elle le fait tous les jours, sur les théâtres d'opérations extérieures, que ce soit Barkhane, dans la bande sahélo-saharienne, ou encore quand il faut taper en Irak et en Syrie avec l'opération Chamal, et je parle de ce sujet devant Pierre Lelouch qui connaît parfaitement bien les dispositifs mis en place. De 10 000, nous en sommes aujourd'hui un dispositif d'environ 7 000 hommes, mais qui n'a pas empêché, vous avez pu vous en rendre compte, un certain nombre d'exactions, en particulier ce qui s'est passé dans le Thalys, même si de fait nous n'étions pas directement concernés au premier chef, mais nous avons vu la difficulté qu'il y avait à protéger non seulement des sites sensibles, mais également des moyens de circulation, en particulier tout ce qui est train et avion. Se pose donc aujourd'hui le problème de notre modèle de protection lié à un terrorisme, malheureusement je n'ai pas entendu ce qu'a dit Hugues il y a quelques instants, mais dont on voit bien qu'il est à la fois extrêmement diffus, extrêmement prégnant, dont on sait à peu près d'où vient la source, mais dont on a encore un peu du mal à suivre à la trace l'ensemble de celles et ceux qui fomentent ou qui vont fomenter des actes criminels sur notre territoire. Même si, avec nos services de renseignement, des GSI, des GSE et des RM, nous sommes aujourd'hui en capacité d'en détecter un certain nombre. Encore faut-il que tout cela soit mis en ordre. Et on le voit bien, il y a encore beaucoup de trous dans la raquette. Moi, je voulais juste attirer votre attention sur la difficulté qu'il va y avoir déjà à appliquer une sorte de doctrine en matière d'utilisation de notre armée. Il y a déjà pas mal de critiques, d'ailleurs, qui sont au jour sur l'utilisation de l'armée sur le sol français. Est-ce sa destination ? C'est une vraie question. Autant on peut comprendre, effectivement, que notre armée protège notre territoire s'il y avait une agression extérieure, en particulier dans des conflits interétatiques. On peut comprendre également que, évidemment, notre armée soit projetée, comme elle le fait sur Barkhane et Chamal. Mais il faut bien le reconnaître, en matière de doctrine, est-ce que c'est à notre armée à protéger un certain nombre de sites sensibles et à faire, en quelque sorte, le travail des forces de sécurité? Ça pose deux problèmes. La doctrine, c'est-à-dire, est-ce que vraiment l'armée est faite pour ça? Et puis surtout, des problèmes d'organisation de nos armées. Certes, la loi de programmation militaire a permis de remonter la force terrestre opérationnelle qui permet effectivement de monter d'environ 11 000 hommes, alors que nos armées étaient exsangues et avaient du mal effectivement à s'organiser avec la déflation qui avait été prévue par Hollande et Hérault dans le cadre de la première LPM. Mais encore faut-il se demander aujourd'hui si nous pouvons à la fois permettre à des soldats d'être sur le sol français pour protéger des sites sensibles et également être projetés sur des théâtres d'opérations à l'international. Si vous posez la question, comme celles et ceux qui s'intéressent un peu au sujet, à des militaires, pas obligatoirement des militaires de haut rang, mais des capitaines ou des soldats du rang, dont on en voit certains d'ailleurs qui sont un peu partout dans Paris, et dans le 15e en particulier, ils vous disent qu'ils rognent sur leurs vacances, c'est pas terrible, mais aussi, pour certains, ils rognent sur la préparation qui leur permet ensuite d'aller se battre sur les opérations extérieures. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que si on envoie des troupes qui ne sont pas préparées à cela
ou en tout cas qui n'ont pas eu le temps de se préparer à ça, alors il y a un danger, effectivement, d'erreur, voire même, pour leur propre vie, des problématiques d'organisation de nos opérations extérieures. Donc, autant, encore une fois, je crois que la décision qui a été prise par le gouvernement après les événements du 11 janvier a été certainement la bonne sur une période courte, d'un mois, un mois et demi, mais mon sentiment aujourd'hui, c'est qu'elle ne peut pas perdurer. Alors aujourd'hui, Hollande a décidé de maintenir ce dispositif, certes allégé, on n'est plus à 10 000 hommes, mais environ à 7 000, avec des systèmes de protection dynamique, c'est-à-dire on n'est plus statique à un endroit, mais on tourne sur plusieurs endroits. Il a décidé de le maintenir jusqu'en 2017. Vous avez compris le message, en gros, on ne change rien, on ne bouge pas jusqu'aux élections présidentielles. Je pense qu'il est de notre devoir, à nous, républicains, de se poser la question du bien fondé de ce dispositif. Peut-être le réorienter vers des forces de sécurité intérieures, ça me paraît être déjà une bonne idée, de vérifier aussi si la doctrine d'emploi de nos armées est bien fondée. Un exemple, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'erreur, de fait. Nos soldats sont des soldats responsables, mais ils ont entre les mains des armes de guerre qui peuvent faire un mal fou si, effectivement, elles sont mal employées. Et juridiquement parlant, légalement parlant, nos forces armées sur le territoire français pour protéger des sites sensibles sont à la limite de l'exercice. Donc pour l'instant, tout va bien, mais on peut se retrouver effectivement à un moment donné avec des situations juridiquement parlant extrêmement complexes. Donc il nous faut, nous, je le pense, tout en maintenant notre confiance à la fois à nos forces de sécurité, à nos forces armées, nous poser la question d'une réorganisation de nos forces de sécurité et de défense sur le sol français, dans le cadre effectivement de la lutte contre le terrorisme et du maintien d'un niveau de sécurité tel que les Français l'attendent, dans la perspective des élections, de l'élection présidentielle. C'est indispensable et c'est de notre responsabilité. Danger pour nos armées, pour nos soldats, trou dans la raquette en matière de sécurité. Voilà en tout cas les questions et la réflexion qui doit être posée entre aujourd'hui et les prochaines échéances présidentielles et législatives. Voilà, mon cher Frédéric, ce que je souhaitais vous dire.